Tasse du jour, bonjour! La petite tasse que Céline de Pontoise nous a envoyée il y a très peu de temps. Elle est meilleure que d'habitude. Je sais pas. Il y a des moments, franchement, je dis le café, c'est plus chelou, je l'ai déjà dit la dernière fois. Mais elle est bon! On prend corset maintenant. Ouais, je vais raconter un peu ma life. J'espère que... Ouais, en plus, le pire, c'est je vais raconter ma life, mais je pars sur autre chose. J'espère que ce week-end, s'est bien passé. J'espère que les petites vidéos, finalement, normalement, le samedi, je filme pas pour le dimanche. Je me suis dit, allez, une petite vidéo cuisine. Pourquoi pas, chaque samedi, faire passer une journée dans la cuisine, comme ça, ou un truc comme ça. De toute façon, ma vie, c'est un freestyle. Je ne fais pas de planning, mais peut-être qu'une autre vidéo comme ça reviendra. Et petite vidéo, finalement brocante et nature, avec, merci Xavier, je crois que tu es le premier à me l'avoir dit, pour le montage, merci avec les petits effets. Alors avant, je faisais beaucoup de montage comme ça, jusqu'au moment où on m'a ouvertement dit qu'on ne me regardait pas et qu'on m'écoutait juste. Que on va dire, allez, 70%, 75%, même voire 80%, mettez juste ma vidéo en fond, donc me regardez pas. Donc c'est vrai qu'arrivé un moment, tu arrêtes de faire des montages un peu plus quali, comme diraient les youtubeurs, un peu plus travaillé. Bon, à vrai dire, j'ai mis juste pour ce petit vlog, j'ai mis 1h49 exactement. 1h49, je me ramollis avec le temps parce que fatalement c'est plus les mêmes logiciels, c'est plus les mêmes effets. Donc voilà, bref, voilà, c'était merci en tout cas de me l'avoir fait remarquer, comme quoi tu as remarqué mon montage de vlog. Donc je disais juste avant, je gueule trop fort, je suis tout seul dans la maison, mais je gueule de ouf. En ce moment, alors on est passé du café doux à café tradition, à café normal, à café corsé. Je sais pas. Alors est-ce que c'est plus on vieillit? Vieillit entre guillemets, plus notre palais il veut du fort quoi, ou il nous faut plus de doses de caféine, je sais pas du tout, mais ça a commencé. Si Jordan, si tu passes par là, ouais, parce que je crois que c'est à partir de chez Jordan où il nous a fait du café, du vrai café, voilà, la première fois qu'on a bu du vrai café en mode café de café, tu vois ce que je veux dire, café de brasserie, voilà, et en fait il était tellement fort et tellement bon que depuis on prend des trucs un peu plus hardcore, de la mort qui tue ça. Bref. Bon, je suis content de vous retrouver ce matin. Ouais. Week-end franchement très relaxant, très tranquillou, surtout hier. Belle trouvaille, tout ça. Tu le sais déjà, si tu suis tous les vlogs. Aujourd'hui, techniquement, pas de couture. Je dis techniquement parce que j'ai pas grand chose de prévu, on va dire, créativement parlant. J'ai plein de petites idées, faut que j'arrive à me les mettre au propre dans ma tête déjà, voire en écrit. J'ai un planning, ouais, parce qu'en fait j'ai tellement de publications à faire, tellement de trucs d'Halloween que j'ai fait déjà, les aquarelles, j'en ai 12 je crois. J'ai 12 trucs aquarelles en mode, les méchants, tout ça. J'ai des planches en bois, je vous montre à chaque fois, je vous montre parce que je sais où ils sont, mais je vous montre, mais vous les voyez pas. J'ai donc les planches en bois, voilà, je disais, que j'ai faites l'année dernière. J'en ai fait quelques-unes l'année dernière, j'en ai pas refait cette année pour le moment. Je parle de Halloween, que je vais publier sur mon compte Insta Disney. Je vous le mets là. Mis à part ça, j'ai donc des masques aussi à vous montrer sur mon compte Insta. J'ai quoi d'autre? Je sais plus. Donc en gros, faut que je me fasse un gros planning pour les publier, pour éviter d'en oublier, parce que voilà. En fait, c'est surtout ça. C'est parce que j'ai quand même travaillé quand même pas mal dessus, donc ça m'embêterait que je vous les montre pas, dans le sens que voilà, j'ai travaillé dessus et je me dis je les ai fait, en gros je vous les montre pas, et l'année prochaine, une fois que l'Halloween s'est passé, tu dis je vous l'ai pas montré, ça attendra l'année prochaine, et l'année d'après je vais refaire sûrement d'autres choses, ou
On ne sait jamais de ce qui peut se passer dans ce monde. Voilà. Donc, si je me rappelle bien, il y a des trucs de... des toiles en bois que j'ai faites l'année dernière que je vous ai pas montré et j'en suis quasiment sûr à 100%. Voilà, donc j'ai un gros planning à faire aujourd'hui. Mettre au clair mes idées. Voilà, déjà rien que ça. J'ai plein de petits trucs à faire. J'aimerais faire 2 ou 3 nouveaux stickers aujourd'hui et il faudrait absolument, ça je sais que faudrait que je le fasse. Bah, j'ai, voilà, donc si tu le sais pas, j'ai une boutique en ligne, donc de badges et d'aquarelles et de ce que je bricole par-ci par-là. Voilà. Et j'ai des dessins qui ont 3 mois qu'il faudrait que je mette dessus, des couronnes de fleurs, les couronnes, j'appelle ça les mi-couronnes. Ouais, c'est des mi-couronnes, donc c'est des couronnes de fleurs. Je peux pas t'en montrer une parce qu'en fait c'est tout en bas là-bas. Et je sais, donc voilà, je sais que vous appréciez. Il y a certaines qui apprécient, d'autres qui apprécient pas. Bref, voilà, les goûts et les couleurs. Et donc j'en ai plein de nouvelles. J'en avais mis sur le site que j'ai vendu. Et en fait j'en ai plein de nouvelles que j'ai toujours pas mis. Voilà, tout simplement. Voilà, bref. Bref, je parle, voilà. Je vais travailler. Ah, j'ai un sourcil qui rebique. Fais voir. Tiens, Marie, c'est pour toi. Tu vas dire, Romain, au début de la vidéo, tu as dit il n'y a pas de couture, il n'y aura pas de couture. Alors, en fait, je viens de regarder mon petit bloc Mickey Idea, tu vois, toi-même, tu sais. Voilà, et en fait, j'avais oublié que j'avais sorti ce petit flocage, le flocage Bob Ravaratovski. Est-ce que vous saviez qu'il a 2 noms différents? Il a le nom français, le nom québécois, je crois, ou le nom anglais. Et en fait, c'est pas du tout c'est Bob Ravadavlatovski et l'autre c'est Varavaratovski. ça change de lettre, voilà. Bref, le petit truc, le petit masque Bob qui va aller avec. Et en plus, j'ai trop bien visé. Avec le Sully, voilà, tout simplement. Pour ce matin, j'ai commencé à faire mes stickers, je vous montre pas, et j'ai fait surtout mon planning. Vous avez, bah si vous êtes sur le compte Insta Disney, on va dire, on va l'appeler comme ça, le Insta Disney, vous aurez une photo par jour, sauf le dimanche, si je me rappelle bien, sauf le dimanche, une photo par jour pour tout le mois d'octobre, pour vous dire tellement j'ai de trucs à montrer. Bref, allez, ça va être l'heure d'aller faire manger. C'est plutôt simple parce qu'en fait, il nous reste des pâtes au gratin de samedi soir. Et vu que voilà, on n'est que 3 à manger, pâtes au gratin de samedi soir. Et je vais juste refaire quelques petites pâtes comme ça à côté pour être sûr d'être. Parce que je crois qu'il n'y a que 2 parts et on est 3. Voilà, on est même 2 et demi. Donc, je vais refaire des pâtes vite fait. Et moi, je vous retrouve directement cet après-midi. Au pire, je vais vous montrer les stickers en mode voir s'ils sont bien déjà. Déjà, je vais les faire avant et je vais voir si c'est bien. Et si c'est bien, je vous les montre. Voilà. Bon, comment dire que les cadres de chez le... notre ami Action, voilà. Bah comment dire que c'est pas non plus qualité de ouf. J'ai cassé juste en faisant 1, 2, 3, 4, allez, 5 photos à tout péter. Hein. J'ai pété tous les petits trucs en fer qui tiennent le cadre en bois. Là. Je pense que si vous avez un cadre, vous voyez de quoi je parle. Ces petits trucs en. Il m'en reste plus qu'un. Parce que c'est le seul que je n'ai pas défait. Pour pouvoir l'accrocher en fait au niveau du mur et en fait je les ai tous pétés.
Donc je suis dégoûté, j'ai un cas de photos, j'ai encore genre 10 photos ou 15 photos à faire. Et je peux pas. Je peux pas faire de photos. Donc il va falloir que je trouve un système genre avec du scotch, au moins du cache, voilà. Au moins pour faire une belle photo. Ça me saoule. Alors je ne veux même pas faire totalement parce qu'il m'en restait quelques-uns à fignoler. Je vous ai dit la dernière fois que j'avais fignolé au dessin les méchants que j'avais fait. Il faut que je fasse pareil pour les princesses. En fait, je vois qu'il y a plein de petits défauts. Quand tu fais un dessin, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Hein, même quand tu fais une page de scrap ou un truc comme ça. Ou quand tu fais un truc. Quand tu arrêtes. Souvent, normalement, les vidéos, c'est comme ça qu'il faut faire aussi. Mais moi, vu que c'est au jour le jour, je le fais pas. Faut que tu t'arrêtes. En fait, une fois que tu as fini, et le lendemain, une fois que tes yeux sont reposés, qu'ils ne sont plus dans le truc du moment, et ben c'est à ce moment-là qu'il faut que tu fignoles. Et que tu vois plein de petits défauts, plein de petits trucs. Et souvent, dans le côté créatif, c'est ça. C'est souvent le truc que je ne fais jamais. Je vais être sincère avec vous, je le fais jamais. Moi je fais des trucs et en fait une fois que c'est fini, je passe à autre chose et je ne reviens pas dessus. Et là en voyant les dessins, je me suis dit, faut que je revienne dessus. Bref, alors comment dire que voilà, je l'ai dit tout à l'heure que les cadres hein, c'est là. Et en plus ils sont même pas à la bonne taille. C'est des A4, mais pas A4 comme mes feuilles. Voilà, bon bah bref, allez, je range tout ça maintenant. Je vais fignoler mes dessins. Je bois un coup parce qu'il fait beaucoup trop chaud, je vais ouvrir la fenêtre. Voilà, et je vous dis à plus tard. Alors, une tomate. Ah, au fond, elles ont bien mûri. Hein. Ah mince, elle est tombée. Ah ouais, regarde, tu vois, on attend et du coup, elle s'ouvre. Ah, ça sent bon. Petite récolte de tomates. Il y en a d'autres. Ah là-bas, ouais. Le mec, il adore faire des grimaces. Voilà, petite interlude jardin avec quelques petites tomates cerises. On est content, hein, voilà. On est content d'avoir des petites tomates cerises. On n'en a pas eu pendant la saison, la grosse saison tomate. Là, il commence à refaire trop chaud, hein, pour nous. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein, il fait trop chaud. J'ai été obligé de changer deux fois de t-shirt aujourd'hui tellement il fait chaud dans cette pièce. Bref, c'était pour le côté info température. Voilà, tu peux voir, je sointe. Voilà, tests stickers, c'est ça. Donc voilà, donc tu connais, c'est la petite pomme de, j'allais dire la petite pomme de la Belle au bois dormant, la petite pomme de, je ne me rappelle plus. Bref, tu connais. Voilà, la chaleur me casse. Énormément. Je sais pas combien il fait dans cette pièce. Là, en gros, je peux encore changer de t-shirt. Voilà. Je vais vous quitter là. Je vais juste faire un petit aparté sur un film que j'ai vu cet après-midi. Vogue ? Ouais. Que j'ai vu. Donc, c'est le seul et unique Ivan qui est sur Disney+. Donc, si tu as Disney+, n'hésite pas à aller le voir. C'est un film qui est fort sympa, qui se regarde comme ça. Comme une lettre à la poste, en plus la fin est fort intéressante. Et en plus ça vient d'une histoire vraie, donc c'était un film super. Je le conseille, voilà pour le côté, je conseille un film. Je m'appelle Romain, je suis conseiller de film. Je vais vous quitter là, je vais monter ce vlog parce que ce soir on fait un live finalement, si tu l'as peut-être vu.
Au dernier moment, Corinne a dit ah, on fait un live ce soir, c'est lundi soir, parce que dimanche, vendredi, mardi soir, je peux pas. Voilà, le côté planning, tout ça, donc hop, expédié lundi soir. Donc voilà, donc tu l'as peut-être peut-être vu. Donc moi, je vous dis à demain. C'est tout. Franchement, c'est abusé. Comment le soir, les vlogs et les fins des vlogs, ils sont HS. Genre, tu commences la première au début de journée, genre, t'es au taquet et tout ça. Genre, t'es en mode wouh, voilà. Et à la fin, t'es en mode. Allez, je vous dis pouce bleu, tout ça, et je vous dis à demain si tout va bien.